Coucou, bonjour à tous. Alors, on est mercredi après-midi. Je tourne la deuxième vidéo de l'après-midi. Comme vous pouvez le deviner, je suis dans la chambre de Léa, qui s'est trouvé un super petit, super petite pochette pour ranger ses élastiques, ses rainbow looms. Voilà. Alors, je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter le fond d'écran que j'ai choisi sur ma 3DS. Vous savez que depuis hier je crois, il y a la possibilité de télécharger, alors pour certaines gratuitement, pour d'autres en payant sur l'eShop, des thèmes pour fond d'écran pour la 3DS. Et très franchement, ça vaut vraiment le coup parce que il n'y a pas que l'image, vous allez voir. Donc, moi au départ, je cherchais quelque chose de rose pour aller avec ma 3DS rose, mais j'ai pas trouvé. Enfin, il y avait soit du rose, bon, voilà, j'ai pas flashé dessus, soit le peach, mais peach, je trouvais que ça faisait trop petite fille pour moi, donc. Ah bon, c'est pas grave. J'ai pas pris, et du coup, j'ai pris. J'ai pris le fond d'écran Zelda, que même Léa l'a pas vu. Et ce qui est génial, c'est que il y a la musique. Je vous montre. Et donc, si vous allez dans la page d'à côté, attendez. Voilà, je vais faire comme ça. Voilà, il y a d'autres. Il y a d'autres écrans. Et franchement, c'est super, quoi. Regardez ça. Avec la musique et tout, vous allez voir que quand on clique sur une icône, ça fait un petit bruit aussi. Voilà. Franchement, je trouve ça trop classe. Montre tout et je l'ai payé 1,99€. Voilà. Bon, je reviens au début quand même. Est-ce qu'elles sont mes icônes maintenant? Je trouve plus mes icônes. Ah voilà. Bon, là, vous entendez évidemment la musique de Super Smash Bros, mais vous allez voir que si je clique dessus, on entend un petit bruit sympatoche. Je vais prendre le Nintendo eShop. Vous avez vu ça? C'est trop bien, franchement. Donc voilà, moi, franchement, j'ai été agréablement surprise par ces fonds d'écran. Parce que je pensais pas que c'était aussi complet en fait. Je pensais qu'il y avait vraiment que l'image. Mais bon, en fait, donc comme vous le voyez, non, il y a plusieurs images et il y a même du son. Donc, tant que j'y suis, je vais vous en montrer d'autres. Donc, vous allez sur le Nintendo eShop. Non, c'est pas là-dedans que je t'ai placé pour le faire. C'est pas là-dedans. Ah, mais il y a une nouveauté. Tiens, je vais en profiter. On va aller voir les nouveautés. Street Fighter 2010. Game & Watch Gallery. Non, je les ai déjà vu celle-là. Alors. Donc, c'est pas là-dedans. Ah, c'est peut-être dans les paramètres. On peut peut-être aller dans les paramètres. Non, 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 non. Peut-être dans les annonces. Nouveauté du 2 octobre. Alors, je vais retourner là où j'étais tout à l'heure. Je suis désolée, je vous fais un peu tourner en rond, mais. Voilà, ça y est, j'ai trouvé où c'était. En fait, il faut aller là.
Il y aurait peut-être d'autres manières de faire, mais voilà. En fait, donc, il faut d'abord faire quand vous allez allumer votre 3DS, elle va vous proposer une mise à jour. Et donc, une fois que vous faites la mise à jour, après, vous avez ça qui apparaît. Voilà. Donc, moi, j'ai les deux Zelda deux mondes, ça s'appelle. Et vous voyez, bon, j'avais essayé le thème simple en rose, mais ça me plaisait pas. Et voilà, si vous allez dans la boutique de thèmes, bon ben là il y en a tout plein. Alors moi j'ai essayé de trouver vraiment quelque chose qui allait avec le tout rose de ma console. Voilà, il y a Mario et Luigi, il y a... franchement il y a plein de trucs. Mais j'avais vu une vidéo et sur laquelle j'en avais vraiment vu plus. Et bon, mais enfin cela dit, il y a vraiment plein de trucs. Hein. Les personnages de Super Smash Bros par exemple. Voilà, ça c'est celle que j'ai pris hier, il y a complètement Mario, il y en a plein. Regardez ça, franchement c'est classe, c'est trop marrant, regardez ça, regardez l'icône. Voilà, donc bah, en tout cas dans vos commentaires, dites-moi si, voilà, Peach était là. Dites-moi si vous avez craqué pour un thème, et puis bah, quel thème. Je vous montre mon motif géométrique. Et dites-moi aussi si vous savez si il y aura des nouveautés prochainement, parce que j'ai pas regardé. Bon, il y a ça, j'aimais bien. Poids blanc et or. Je pense que c'est sympa. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !